Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Tomb Raider, la révélation finale. Alors, j'espère que vous allez bien, que l'épisode 2 vous aura plu et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle saga de Let's Play sur Tomb Raider. Ok, alors on s'était laissé donc au début de ce petit niveau, les chambres sépulturales. Donc nous allons donc nous rendre direction le tombeau de Seth. Seth qui est démon des enfers dans la mythologie égyptienne, si je ne me trompe pas, parce que voilà. Me tromper. Alors, ici, nous avons un levier et nous avons la suite donc du niveau qui est ici, qui est bloqué par une grille. Et une petite grille qui va m'empêcher eh bien d'avancer. Alors, je vais aller donc activer le levier. Donc, ceci. Hop. Et la porte s'est ouverte. Avant de rentrer eh bien dans cette partie de niveau, j'observe en face ces choses étranges. Et également par terre, eh bien, des choses en forme d'étoile. L'étoile. Alors, il va falloir faire très vite quand je vais descendre ici, parce que nous allons activer des pièges. Des pièges qui vont être mortels, vous allez voir. Hop, on entend le tic-tac. Et on observe, eh bien, l'objet mystérieux qui bouge. Et regardez, voilà le piège mortel qui m'aurait empalé. Alors, je suis passée par la gauche pour récupérer un secret. Je me libère. Eh bien, la grille. J'aurais très bien pu aussi passer par la droite, mais eh ben, du coup, j'aurais pas eu le secret et la grille ne se serait pas ouverte et on n'aurait pas pu revenir à cause eh ben, des pics qui s'activent. Ok. Alors ici, bah, il n'y a rien à faire à part foncer droit devant sur les pièges qui vont s'activer au fur et à mesure que nous allons avancer. Regardez, il va falloir passer au travers sans se faire piéger. Ok. Hop là. Bon, rien de difficile quand même pour l'instant. Hein. Ça reste calme. Ici, j'ai des vases magnifiques. Ah, ils sont magnifiques les vases. Hein. Voilà. Pour récupérer une trousse de soins. Ah bah c'est joli, hein, on casse tout. Bon, on va quand même laisser celui d'en face, hein, parce qu'il n'y a rien dedans. Hein. Moi, je trouve que pour ce jeu, les développeurs, ils ont fait quand même du très beau travail niveau design. Ok. On recontinue. Voilà. Ici, encore un autre piège. Mais avant d'activer, je vais aller chercher les trousses de soins. On va aller chercher les trousses de soins. Donc, ce Tomb Raider qui est mon deuxième Tomb Raider préféré. Hein. J'ai adoré faire tous ces niveaux. ici, je monte vite fait, on n'aura normalement pas besoin d'y accéder. Ces petits sarcophages vont s'ouvrir si, quand nous aurons activé le piège. Eh bien, nous redescendons dans cette partie. Partie que normalement nous n'avons plus besoin. Je vérifie quand même parce que bah, je ne voudrais pas activer les momies. Et oui, des momies vont sortir de ces sarcophages. Hop. Voilà. Bon, bah, pour l'instant, le piège n'est pas activé. Nous avons quand même des pics qui m'empêchent eh bien, d'aller plus loin. Donc, l'objectif, hein, c'est de traverser tout ça pour aller. Tout au fond là-haut, dans l'alcôve. Alors, on a récupéré donc, en activant les pièges, on a récupéré une étoile qui est la main d'Orion. Donc on va utiliser ici, donc c'est une clé.
et les pics ont disparu, mais ça a activé eh bien d'autres pièges mortels tout autant. Ici, je vais faire une sauvegarde parce que eh bien c'est assez compliqué, on peut mourir très vite parce que si les lames nous touchent, eh bien, on n'a pas le temps de dire ouf qu'on est mort. Du coup, où est-ce que je vais me mettre? On va prendre une sauvegarde, on va la mettre là. Hop. Ok. Alors, on va essayer de récupérer ce qu'il y a à récupérer. Après, voilà, c'est pas obligatoire hein, de le récupérer. C'est quoi, on a cartouche et... je peux mettre au bord, hein, ça ne touchera pas. Et un fusil à pompe. Fusil à pompe qui est remis ici au cas où si on avait loupé lors du premier, niveau de récupérer passage à pompe. On va essayer quand même de le récupérer. Après, voilà, on va pas s'acharner, hein, parce que de toute façon, on a tout ce qu'il faut. Alors. Hop. Ah, vous voyez, hein, j'ai la vie qui descend très vite. Hop. 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 Ouh là là. Alors, on va essayer quand même. On va essayer. Tac. Ah bah c'est bien. Moi ça va les activer. Alors je sais plus c'est lequel qui les active. Il y en a un qui s'active normalement. Alors peut-être que dans cette version là, il faut savoir que je vais racheter avec Steam. De se réactiver. Alors en fait dans ma version que j'avais Siderum, ça se réveillait. Il se réveillait les satanés momies. Hop. Voilà. Allez, tant pis pour ce qu'il y a à récupérer. Ça m'embête, j'aurais bien aimé récupérer, mais bon, on va pas s'acharner. Alors ici. Ici, le tombeau de Seth. Je vais faire attention pour m'approcher. Je vais pas m'approcher du tombeau parce que on va déclencher une cinématique. Oui, encore une cinématique, mais qui m'empêcherait d'accéder à d'autres secrets. Et bah, du coup, j'ai pas récupéré ce que je voulais vous montrer à récupérer. Donc, du coup, on va pas non plus se louper sur cela. Ok, alors, j'espère que les parties d'ombre, parce que bah, du coup, moi, je les vois bien. J'espère que vous, ça vous ennuie pas trop. Sinon, j'activerai, hein, vous me le direz, j'activerai les petites flammes. Là-haut. Non, on va y aller après. Bon. Pourquoi je m'approche pas du tombeau? Parce que la cinématique se déclenche et je ne pourrais pas avoir accès à ici. Je vais vous montrer. Déjà, on récupère ça. Ici, là. Elle se crée. Vous voyez, j'ai récupéré quand même les cartouches que j'ai pas pu avoir. On aurait pu en avoir plus. Mais c'est vrai que j'ai tendance dans les Tomb Raider à utiliser toujours les 9 mm. Hein, je pense pas utiliser les autres armes. Alors. Donc du coup, si on avait activé tout de suite la cinématique, nous n'aurions pas eu accès à ce passage. Hop. Très bien. Et ben c'est parti. Je vous laisse découvrir la cinématique qui va changer tout dans ce Tomb Raider. Thank you.
Bien, on a récupéré donc quelque chose eh bien, sur la tombe de Seth, puisque c'est Seth qui est enterré ici, selon la légende, hein, bien sûr. Et regardez, en retirant, donc on a une lumière qui sort hein, de l'endroit où nous avons récupéré eh bien, le fragment. On va regarder l'amulette d'Horus, là où nous avons récupéré l'amulette d'Horus. Et on a une espèce de liquide rouge, je dirais du sang, qui coule maintenant eh bien, en direction de là où nous venons. Et regardez pourquoi je vous disais qu'il fallait venir en premier, parce que bah, du coup, il y a de l'eau et la grille est fermée, ne se rouvrira plus du tout. C'est bien dommage. Les tombeaux sont ouverts. Les tombeaux. Alors c'est ce qui aurait dû se passer normalement en bas. Mais bon, il a dû avoir un bug système. Ok, alors regardez ici, nous avons un... Alors vous l'avez vu, hein, puisque j'avais fait la vidéo découverte le mardi, ce même je dirais, socle que nous pouvons pousser. Alors, apparemment ça a été retravaillé pour à l'époque pour pousser les objets. Hein. On ne pouvait pas... fallait s'arrêter tous les 5 minutes, là c'est en illimité. Hop, et je le mets ici. Voilà, on nous a montré, la caméra nous a montré où nous devons nous rendre. Mais pas de chance, des momies nous attendent. Il nous bloque le passage. Pour l'instant, elle n'est pas réveillée, mais Lara vise automatiquement. Mais si je m'approche, regardez. Alors, je vérifie, j'en ai trois. Voilà, une deuxième qui s'active. Alors, elles sont déjà mortes, hein, comme je l'ai déjà dit précédemment. Donc, hop, je les décale juste. Et nous arrivons donc dans une autre partie du niveau avec encore plein de momies, plein d'ennemis. Ça, c'est... Mais c'est ce qu'on aime, hein, chez le Tomb Raider, c'est pas que visiter des tombes. Donc ici, on arrive donc encore dans une partie de tombeau avec, vous voyez, plusieurs plateformes que l'on va approcher. Alors, petite musique de préparation d'ennemis. Voilà. Et chacal encore et toujours. Je vais me rendre ici. Observer la pièce. Alors, encore une momie. Et ici, là, ce sera la sortie du niveau. Et oui, nous avons la sortie du niveau qui nous est montrée. Et ici, ce sont des clés, encore une fois, que nous allons devoir mettre eh bien, pour activer la fin du niveau. Donc, on nous montre qu'il faut rechercher un espèce de serpent et une espèce encore d'étoile, un peu comme la main d'Orion. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais me diriger... Ah, j'ai encore un petit peu de temps. Voilà. Hop. Je vais me rendre ici. Alors, les zones sont encore un peu sombres, hein, l'éclairage à l'époque. Et ici, je vais aller chercher un secret. On entend en fond les momies. Hop. Alors, hop, il y aura un moment donné, je referai encore des sauvegardes parce que j'ai des petits soucis, faut que je travaille
tous les cinématiques vous aviez vues, hein, donc lors de, du test d'un niveau que je ne connaissais pas, hein, le petit niveau, vous aviez ma tête ici, vous aviez également le jeu à droite. C'est parce que bah, du coup, les, ils ne sont pas en 16/9 les cinématiques, donc du coup, automatiquement, ça me les dirige en petit écran, et c'est dommage parce qu'on voit pas bien du coup les détails qu'il pourrait y avoir. Donc une sauvegarde avant, comme ça je peux la filmer en plein écran, et après au montage je vous remettrai tout ça. Bref, c'était la petite aparté. Du coup ici bah, je continue, hein. Et nous avons une espèce d'échelle, hein, au mur. Bah, nous allons monter. Voilà, et maintenant bah, on commence à les connaître, hein, ces petits vases. Alors il y en a qui sont vides, il y en a qui sont... Hop, ceux-là sont remplis. Hop. Et j'ai mis longtemps à l'époque, hein, avant de comprendre que ces vases, bah, ils étaient cassables. Hein. Moi à l'époque, j'arrivais par ici, je ne les cassais pas, je sautais en face. Je sautais en face, eh bien pour pouvoir accéder à la suite. Je pensais que c'était un élément du décor. C'est vrai que ça peut être trompeur. Alors, ici, une grille. Ici, on a un très beau dessin, mais on n'y a rien à faire. Pourtant, on pourrait croire que c'est ça, mais non. Alors, ici, donc, la clé serpent. Je vais l'appeler la clé serpent, un peu. Hein. C'est drôle, on ressort de Resident Evil et je continue avec ça. Hop. Et voyez, les sorties se bloquent. Je ne peux plus repartir et j'ai des momies qui m'attendent. Hop, hop, je fais le tour, hop, et je m'agrippe ici, puisque c'est la sortie. Et ici, attention, un piège, voilà, ici je ne risque plus rien. Et oui, on n'a pas beaucoup de temps, faut sprinter, sinon nous mourrons. J'ai vu dans une vidéo qui était considérée cette partie comme un petit niveau difficile. Oui et non. Non, parce que je suis morte qu'une fois dans ce niveau, la première fois que j'ai joué à ce jeu, parce que bah, forcément je ne savais pas quel côté il fallait prendre, donc je m'étais trompée de côté. Après, c'est assez facile de se souvenir que bah, faut rester tout à gauche, hein, pour sortir facilement. Alors, continuons notre ascension de ce niveau. Une trousse de soins, encore une fois. Hein. Voyez, on a fait le tour. Alors ici, je me décale. Et je meurs. Ah, je meurs. Bien, nous sommes de retour donc, eh bien, dans la zone... Où nous sommes morts, eh bien, en tombant bêtement. Hein, bah, c'est courant dans ces vieux Tomb Raider. Bah, Lara, elle n'a pas beaucoup de vie. Hein, elle tombe, elle perd toute sa vie. Bon. Alors. En même temps, j'ai été un peu bête. Bah oui, regardez. Hein. C'est le piège. On fait tout le tour et puis finalement, bah, on se fait avoir. Bon. Oh, yeah, yeah, yeah. Prendre feu maintenant. Je vais prendre feu. Voilà. Alors je suis revenue sur mes pas, mais cette fois, eh bien, je vais sur la gauche au mieux de continuer en face et nous arrivons là où je vous ai montré au début les plateformes. Et la clé, elle est un peu plus chiante. Récupérer avec le serpent. C'était la partie facile avec le serpent. Tenez, regardez, il y a encore des beaux petits chacals. Bonjour. Voilà. Ouais, donc je disais la partie la plus simple, parce que là on va arriver dans un petit niveau tombeau un peu plus complexe, c'est bien que le premier avec le serpent. Ça aurait été trop facile.
Voilà. Pour perdre le moins de vie. Et nous arrivons dans une salle avec une énigme qui m'a donné du fil à retordre à l'époque. Ouais. Regardez. Des pièges, des piques. Oh là là, cette salle. C'est pas une de mes préférées non plus. Voilà. Gris bloqué encore une fois. Alors ici. Ben ici, regardez, nous avons des piques. Et cette pièce, eh ben, on va devoir la faire tourner. C'est une pièce tournante. Hop. Je vais faire juste le tour, voir si je n'ai rien oublié. Donc voilà, hein, ça c'est la suite. Ok, je n'ai pas le truc à récupérer ici. Alors ici, ça va être un peu plus chiant, ouais, avec les pics, la pièce qui va tourner, il va y avoir... Ici, ceux qui connaissent ces Tomb Raider, j'ai eu à l'époque des petits soucis. Voilà, je me trompe et je perds beaucoup de vie. J'ai eu des petits soucis avec ce niveau, c'est que j'avais fait l'erreur, eh bien, de sauvegarder au moment où Lara prend feu. Donc, je vous laisse deviner la suite. Qu'est-ce qui se passe quand on recharge la partie? Et puis, bah, à l'époque, je faisais qu'une seule sauvegarde. Hein, je n'en faisais pas comme là, j'ai plusieurs. Bah, fallait recommencer le jeu parce que bah, du coup, Lara, bah, elle mourait indéfiniment entourée de feu. Et oui, les erreurs qu'on fait hein, quand Lara tombe et puis qu'on sauvegarde, bah, c'est perpétuel. Ok. Donc, ici, je vois, donc tout est fermé. On va aller par ici chercher les plateformes. Encore et toujours des jeux de plateforme. Hop. Alors ici, je vois que nous avons, eh bien, des munitions. Donc on va aller les chercher. Si j'arrive à bien me mettre. Alors on va utiliser la touche marcher. Alors il y a peut-être des chances qu'on s'y à plusieurs fois. Alors normalement, alors j'ai le jeu là aussi sur ma PS Vita en édition PS1, donc normalement sur la PS Vita j'y arrive avec des touches de manette, donc je devrais y arriver facilement. Ah non, voyez hein. Ce sont des petites énigmes complexes. Hop. Voilà. Alors, plus compliqué ici. Voilà. Vous voyez? Compliqué. Compliqué d'aller chercher les cartouches. Bon, on réessaye une dernière fois, hein, sinon je laisse tomber les cartouches. Hein, comme je dis, les cartouches, c'est pas obligatoire. Le jeu est assez généreux sur ça. Donc voilà. Bon, ça veut pas, on laisse tomber. On va pas passer une heure sur des cartouches qui ne veulent pas s'attraper. Ok, alors ici. Ici. Et voyez en face, donc je m'approche pour montrer, on a donc encore une étoile, donc encore une clé, alors pas la clé d'Orion, mais une autre. Je vais aller prendre mon élan, parce que si je tombe, encore une fois, des pics. D'ailleurs, en revanche, parlant de pics, parlant de tout ça, sauvegarder, hein, parce que hop, j'en étais à chance que j'enregistre pas sur une autre. Sauvegarde. Ok, bon bah allez. Alors je n'ai pas la clé, mais je vois ici une espèce d'échelle. Alors, comme d'hab, hein, faut essayer de trouver le bon
le bon pixel. Voilà. Et nous avons un levier devant nous. Parce que des fois, il y a des recoins, des petits recoins cachés que même moi, je ne connais pas, hein, que je peux découvrir avec vous. La porte s'ouvre, celle que, où nous sommes arrivés. Donc, on refait le chemin inverse, tout en faisant attention à ces satanés pics. Hop. Je vais descendre par là. Alors, voyez là, voilà la clé. Elle est juste en dessous de nous. Juste en dessous de Lara. Voyez l'espèce d'étoile là? Eh bien, elle est là. Ça, c'est la clé qu'on va aller chercher. Mais bien sûr, les développeurs ont voulu pigmenter un peu le jeu parce qu'on va pas simplement tomber bien dans le trou. Parce qu'on se dit, ah bah le voilà le levier qui va ouvrir. Regardez. Je vous avais dit en début de cette salle que c'était une salle tournante. Ouais. Voilà, la salle a tourné. Ouais. On n'a pas l'impression, hein, faut s'en rendre compte. Nous sommes arrivés eh bien, par là, et le levier où nous avons tiré, c'est bien celui-là, hein, je vous rassure. C'est juste qu'on n'a pas vu, puisque la cinématique nous a montré autre chose. Bon, ces pentes voilà, vont m'agacer. Alors, donc, nous étions montés hein, sur l'échelle, donc tout est inversé, ainsi que ces endroits. Et donc, c'est à partir de là, vous voyez... à cause de cette flamme par terre que, à l'époque, eh ben, je suis morte plusieurs fois. Brûlée. Hey, brûlée. Hop, et la clé. Alors, je vais juste faire le tour s'il y a des trophées, parce que bah, je ne me souviens pas de tout. Non. Donc, on va récupérer donc la clé qui va nous être utile. Et en fond, on a entendu quelque chose s'ouvrir. Alors, cette clé, qu'est-ce que c'est? On va regarder. La main de Sirius. Non, pas la main de Sirius Black, hein, non. La main de Sirius. Vous l'avez compris, des étoiles. Hein, c'est tout est une question d'étoiles, de galaxies. Hop. Donc, on entend des portes qui s'ouvrent. Ok, alors, maintenant, il va falloir aller là-haut. Ça s'est ouvert, et il va falloir aller là-haut. Mais il y a des pics, encore et toujours des pics. Hop. Alors. On va avancer. Hop. Allez, Lara. Ah oui, des fois, les commandes de ce jeu ont un peu de mal encore, même encore maintenant. Hein. Hop. On va effacer l'angle. Si possible, puisque autrement, on a les pics. Voilà. Alors, on peut aussi passer en montant, mais il faudrait se mettre accroupi pour pas se faire avoir par les pics. Pic que je rappelle également que bah, si il nous frôle, on perd aussi de la vie. Bon. On y va. Alors, la porte, juste pour qu'on s'y remette, hein, du coup, cette porte, puisque la pièce a tourné, c'est là où j'étais descendue et on avait vu les petites momies qui étaient à peu près vers là. Oui, c'est dur à s'en remettre quand ça tourne comme ça. Alors, hop. Voilà. Et maintenant, bah, on va descendre. On va descendre. Hop, je veux juste que la caméra me montre. Alors, hop, pour ce faire,
On saute. On se raccroche. Alors, pour plus de rapidité, vous voyez, hein, je... Ok. Donc, rappelez-vous, donc, avec ce qu'on avait vu que c'était fermé. Donc, on va tirer ça. Cette espèce de chaîne qui va nous remettre la pièce en place. Donc, vous voyez, ça a enlevé les pics. Pouvoir aller chercher eh bien cet objet qui est la deuxième clé. Voilà, il montre pas beaucoup hein, sur l'autre, c'est pas le même design qu'avec la clé serpent. Du coup, ils vont se réveiller. Hein. Bah oui, hein, des momies, ça se réveille. Hop. Voilà. Puis, heureusement qu'on a les balles illimitées parce qu'on peut s'amuser, hein, mais bon. Pas d'intérêt puisque les momies alors ici voilà je regarde que j'ai pas de pique en face hein, encore une fois parce que on pourrait se retrouver empalé. Alors les plus récents ils ont mieux fait comme je dirais hein, on voit plus Lara alors que là ça aurait fait je crois elle glisse après, je peux comprendre, hein, la technologie de l'époque n'est pas la même que maintenant. Alors, donc la clé de la main de Sirius, on va la mettre ici. Et donc, ici, nous avons une corde qui s'est activée. Alors, je regarde. Donc, la corde s'est activée. Et je vous laisse deviner ce qu'il va falloir faire. Bah, sauter vers la corde. Bah oui, sauter vers la corde. Hop. Et puis, bah évidemment, aller chercher la dernière clé qui nous mettra à la fin de ce niveau. Hop. Alors, c'est vrai que les touches sont un petit peu inversées. Touches inversées que je ne peux malheureusement régler. Donc, que je m'en remette dedans. Là, je fais se balancer. Voilà. Donc, on récupère cette clé. Hop. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Alors, Kesako. Le talisman du scarabée et le serpent d'or. Ouais, hein, que les serpents, je m'étais pas trompée. Et le talisman du scarabée qu'on va aller mettre, eh bien, là-haut. Mais je sors mes armes parce que, bah, il y a encore des copains. Allez, le tombeau, il est protégé, hein, il est protégé par des chacals. Je rappelle qu'il faut quand même les bruits de chien. Hein. Hop, j'arrive ici et... On entend le bruit parce que nous sommes eh bien en dessous de la zone où il y a les lames. Tu m'as pris par surprise, Touraine. Hop. Et on arrive à nouveau ici. Retour ici. Et oui, je vous avais pas montré, mais il y avait donc bah voilà. Cette porte qui vient de se refermer à l'instant où nous sommes sortis, hein, pas de possibilité de retourner sur les lieux. Je vais allumer une torche car je vais faire le tour. Je vais faire un tour dans les zones sombres. Parce que j'ai le doute, je ne sais plus s'il y a des secrets. Non. Ok. Alors, il y a aussi des possibilités. Hein, j'avais déjà vu avec l'ancien, le premier Let's Play de Tomb Raider que j'avais fait, que eh bien, je loupe des secrets, que je ne les voie pas. Hein, ça arrive à tout le monde. Hein, des fois, quand on joue, bah, on est tellement concentré sur ce que fait le personnage qu'on ne voit pas forcément les petits détails à côté. Hop. Donc, d'un côté, c'est bien aussi que vous me le dites en commentaire. Hein, quand j'ai oublié, hein, ça arrive à tout le monde. Je ne connais pas non plus à 100% le jeu par cœur. Bon, les clés que nous allons récupérer sont là, qui va nous amener à la fin du niveau.
fin du niveau. D'ailleurs, je vais faire une sauvegarde ici. Je vais faire une sauvegarde. Hop. Sauvegarder. On va la faire ici. Alors, sauvegarde qui est encore une fois facile, illimitée. Dans celui-là, non, ils avaient mis pareil sur PlayStation. Je sais que je prends par exemple le premier Tomb Raider. Eh bien, sur PS, sur PS1, le premier Tomb Raider, il faut récupérer des petits diamants pour sauvegarder. Alors que sur PC, nous avons en illimité. J'ai entendu le chien. Il y a encore un chacal. Oui, du coup, puisque je ne suis pas revenue là dans la partie où j'ai recommencé après ma mort. On va le laisser en vie, la pauvre petite bête. Elle n'a rien demandé. Hop. Le serpent. Et enfin, la dernière clé. C'est pectural. La momie se réveille. Et donc, bah, le sable nous emmène à la sortie. Donc, en attendant, bah, on va devoir... faire avec pour l'empêcher de s'approcher de nous, puisque quand elle fait oh, là elle recule, vous hein, voyez, donc il reste du temps. Voilà, et hop là, là elle ne risque plus rien. Petite musique classique d'Elara. Petite musique classique d'Elara. Eh bien. De fin de niveau. Alors. Fin de niveau. Bien évidemment, on va se laisser ici. Je vous rassure tout de suite. La vidéo n'est pas finie. Je vais vous laisser la cinématique de fin. Et oui, je vous laisse la cinématique de fin. C'est juste que c'est la fin du niveau. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 4. Alors, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La routine, quoi, que je répète à chaque vidéo. Le petit pouce. N'hésitez pas à revenir également sous les commentaires. Ce que vous avez pensé de ce niveau. Tout ça, comme on dit, hein, la routine. Hein, le petit pouce, abonnez-vous. Hein, et tout ça. Bon, on se laisse ici. Alors, je fais ma sauvegarde pour mon petit côté montage. Hop. Et on se laisse ici. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 4 eh bien, de Tomb Raider, la révélation finale. Allez, à très bientôt. Moi, c'est Merket, grand prêtre d'Horus. Prédit que celui qui décèlera l'amulette libérera l'esprit de Seth. Se dressant alors au milieu des chacals et semant la désolation, il incarnera le crépuscule de l'humanité. Seigneur de l'enfer, libéré de ses chaînes,
au tournant d'un lointain millénaire. Répandra la peste et guidera les sauterelles au milieu des moissons perdues sous le ciel brisé. Mon fidèle compagnon jette le masque. Femme, l'amulette. Face qu'à ce jour, les cieux se déchirent et que la sublime lumière du dieu soleil Horus bannisse à jamais le seigneur des ténèbres, Seth. Je te le déconseille.